on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de notre Watchou sur Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 2. Et aujourd'hui, avec l'armée du bien, nous allons faire l'Est du Rohan, donc c'est une quête annexe, rien de bien important. La frontière Est du Rohan est une région fertile et verdoyante, où sont implantées des fermes prospères. Il faut être prêt au combat. Que tous les hommes valides défendent le Rohan. Bon, alors. Comme d'hab, on va commencer par construire une ferme pour gagner des ressources. Et on va construire... J'hésite entre le puits du Rohan et l'archerie. Ah, bon, on va construire un puits du Rohan parce que... On va dire que c'est plus utile. Hein. Donc on va les faire descendre par là. Je vais essayer de faire deux missions maintenant parce que j'ai vu que c'était. Ah, je me souviens de cette cette carte là était vraiment pas mal. Tiens des gobelins. Bon, on va les tuer. Je vais essayer de faire en sorte de faire deux missions d'affilée parce que j'ai remarqué parfois je sors tellement vite la mission que j'arrive à 12 minutes et c'est j'aime pas les vidéos de 12 minutes, c'est nul, c'est trop court. Et puis voilà. Bon, là l'entre des gobelins elle est détruite, ça c'est fait, ça fera des sous-sous dans la popoche. Quoi, des wargs? Ah ouais, non, les paysans n'est pas avec les wargs, vous allez vous faire défoncer. Et là, allez, on y va. Oh bah tiens, attendez. Il y a un Orokai qui se bat avec un warg. Il vient de se faire défoncer. C'était mignon. Vous les paysans, vous allez aller prendre ça. Allez. Allez, on attaque. Ah ouais, putain. Ah non, ok. Non, j'ai un dé. Je pensais qu'il mettait too many damage, mais pas du tout en fait. Putain, ça fait bizarre de rejouer à ce jeu-là quand t'as joué à LOL, quoi. C'est horrible. C'est un système de jeu qui se ressemble, mais c'est éloigné aussi, donc c'est assez bizarre. Oh putain, cette perte de FPS. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, ça s'est calmé. Pas. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mon PC il a des ralentissements parfois, c'est violent, quoi. Attendez. On est dans le noir. Voilà, c'est bon. On va les laisser là, du coup. La ferme est prête. Restez en garde. Le roi doit tenir. Salut toi. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça en fait. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont des piquets encore? Non, ça va. Oh putain, il y a du people là. Salut. Je vais essayer de trouver un avant-poste, si possible. Je sais plus où il se trouve sur cette carte. Oula. What? Putain, c'est pas ce qui manque. Salut. C'est pas ce qui manque, les Rukai, là. On va construire une écurie. On va construire... Tiens, on va construire une armurerie après. Ça pourrait être à notre avantage. Mais laissez-les tranquilles. Putain. Abattez-les. Voilà. Sans vous, je serais mort. Des épées, des boucliers. Bon, allez, hop. Vous allez là. Et après les Rurim, j'irai les soigner. Ah oui, là, il y en a encore. Salut. Strike. Hop là. Allez, chopez-moi. Voilà. Oui, courez. Voilà. Ah bah tiens, l'avant-poste, cool. Ne perdons pas espoir. Du coup, ferme. Et ferme. Paysan, Osef. Il compte sur nous. Voilà, vous allez ici. On va construire là. Là, j'ai vu qu'il ne se faisait pas encore attaquer. Donc c'est cool.
arme soit rapide. Ah tiens, salut. L'attaque est commencée. Non mais dis pas qu'il y aura du monde. Restez vigilants. Non ça va, y'a personne en Partons. Fait. Notre Par peuple contre, aura besoin de nous. Notre peuple je vais aller les soigner parce que... Allons vite. Ils sont un peu beaucoup très fragiles en fait. C'est... Prenez ces épées et ces boucliers. Ça peut être relativement chiant. Alors, est-ce que j'ai assez pour construire? Voilà, on va construire ça. Préparez-vous au combat. Putain, mais pourquoi? Pourquoi je rame? Je comprends pas. Les armes que vous pourrez trouver. Venez, je mes comprends amis. Pas. Restez groupés. Allons là-bas. C'est chiant. Enfin bon, pourquoi t'es tout seul, toi? Ok, pas de soucis. Tu vas me dire que depuis tout à l'heure, il courait. Non, faut pas déconner, quand même. Ok. Non, vous, je vous ai dit de vous soigner. Vous allez là. Ici. Voilà, on va construire une forge. Et on va bourrer tout le monde d'armure. Et ça va être cheaté. Du coup... Non, on n'a pas assez. Ok. Tiens, on va voir les objectifs vite fait. Ah bah j'ai déjà accompli les objectifs bonus, ça c'est cool. Les voilà. Une ombre couvre nos terres. Ça les voilà. Ah oui. Bah tiens, on construit ça. Restez en garde. On construit ça. Nos forces sont attaquées. Normalement bah voilà quoi, ils sont morts. Par contre, ça va être assez long pour les armures, ça va être un peu chiant. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire une coupure jusqu'à ce que j'ai... Comment dire ? Jusqu'à ce que j'ai toutes mes unités armées, quoi. Parce que ça pourrait être chiant d'attendre que les ressources se fassent et... bah d'attendre que tout soit fait, quoi. Donc, il n'y a plus de Rukai, ça c'est cool. Tiens. Nous ferons de notre mieux. Qu'est-ce qu'il fout de là, hein ? Bah tiens, ego, hein. Bon, par contre, là, faire une autre ferme. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ressources. Comme ça, j'en aurai plus rapidement, en fait. C'est toujours à prendre. Est-ce qu'il y avait une ferme dans le coin? Oh, tiens, salut toi. Une chérie, c'est encore mieux. Coucou. Hop là. Pas plus Rukai. Venez, mes amis. Bon, eux, c'est bon, ils les ont eus. Allez, on détruit ça. Attaquez ces démons. Hop. Toi et Homer, tu retournes ici. La ferme qui va bientôt se construire, allez. Wout. Attaquez ces démons. Ah ouais. Nous ferons de notre mieux. Mais attaquez, je sais pas. Les paysans manieront aussi l'épée et le bouclier. Allez, go. Homme de la marche. Y'a pas un autre camp là? Par là. Bon, la ferme est construite, c'est cool. Nous avons repéré les positions ennemies. Tac, tac. Restez vigilants. Amélioration des lames forgées. L'ennemi est sur nous. Yeah. Où ça des wargs, où ça des wargs, quoi. Ah oui. Courage, mes frères. Putain, mais ils sont combien là? Prenez toutes les armes que vous pourrez trouver. Ok les mecs. Ça c'est monstre. Prenez toutes les armes. Ah ouais d'accord, ils ont des archers. Oh les salopes. Vous avez pas honte. Bon alors par contre, on va construire encore une ferme. Putain, ils se font défoncer mes paysans, ça fait peur quoi. Ils sont où, tiens? Venez, mes amis! Ouais, ok, on a pu, ok. Quittez cet endroit, nos foyers! Un de moins! Nous devons tous ne les craignez pas! Voilà, ego! Ils attendent! Mes frères! Mais bougez, vous! Restez, ne les laissez pas passer! Bah oui, mais là, s'ils sont vivants, s'ils s'en sortent, il y a un souci. Hein. Nous devons défendre nos terres! Allez, on va buter ces wargs! Chargez! Salut! Elwarg, super, t'es ma chaîne, STP. Pour notre seigneur et pour notre en deux secondes, ça fait toujours plaisir. Ces constructions ne nous ont que trop nargués. Merci. Nous sommes attaqués.
Il est à moi. Genre, ils arrivent à tenir tête à 3, à 5. Oh, aussi. Ah bah lui, il est tout seul, par contre. Ils ont besoin de nous au château. Bah du coup... Préparez vos armes. Tac. Partons maintenant. On va par là. Cette amélioration, hop. L'armure lourde est prête. Ah putain, il faut niveau 2 pour bouclier du rond, fait chier. Tiens, je vais vous montrer les archers Ruirim. C'est vraiment pas mal comme unité. C'est hyper dangereux. Prenez aussi. Toutes les armes que vous pourrez trouver. Bon, eux, ils vont rester là. Venez, garder amis, à leur place. L'ennemi. Et le maire qui est ici. Homme de la marche. Hop, prenez ceci. Y'a pas une autre ferme. Ainsi armé, nous serons victorieux. Ah, déjà il y a un avant-poste, déjà ça. Pardon. What? Salut vous. Putain, FPS à la con. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon, ils sont défoncés, donc ça va. On va les foutre là, tiens. Ah, on va construire 3 fermes encore. Je sais que je suis en train de spammer les fermes, mais c'est juste histoire d'avoir beaucoup de ressources rapidement. Mais allez-y. Nous devons tous combattre. Allons vite. Ah ouais, eux, ils se font défoncer, mais bien comme il faut. Hop, hop. Eux, c'est fait. Eux, armure et épée forgée. Et bon, déjà faire nettement plus mal. Tac. Homme et tac. Et vous allez voir les comment dire les bonus les bonus de des Ruirim, enfin le bonus qu'ils vont avoir, c'est d'avoir non seulement le bonus pas d'armure que je vais acheter, mais ils auront aussi grâce à l'écurie un bouclier spécial pour Ruirim si vous voulez, donc leur en gros leur défense sera considérablement augmentée. C'est un truc de fou. Je dirais pas qu'ils seront intuables, mais ils seront très dangereux. Suffisamment dangereux pour faire chier le monde en fait. Donc voilà quoi. Portons haut l'étendard du roi. On va foutre ça. Mes frères. Ouais, mais ils se font défoncer la gueule, mes paysans. C'est pas étonnant, ils sont en train de garder depuis tout à l'heure. Nous devons résister. Ouais, non, ils vont se faire défoncer, je pense. Je pense. Merde, une ferme. La bataille nous attend. Bon, ils sont niveau 2, c'est parfait. Là, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Non. Cavalier de la marche. Nope. Et nope. Ok. Par contre, faut que ça passe niveau 2, ça. Je sais pas, go. Ok. Bon bah, à pu paysan. Enfin, les derniers arrivent là, les deux dernières hordes. Les deux dernières hordes, pardon. Mais nous défendrons le roi. Enfin, si, ils arriveront à les contenir, mais. Cavalier de la marche. Ça va être assez serré quoi. Par contre. Préparez vos armes. Hack. Hop et hop. Allez, voilà, encore une unité, et c'est bon, ça passe. J'aime bien en plus ces unités Ruirim. Elles sont hyper utiles, mais vachement, quoi. Bon, allez, attaquez-moi ça. Allez, défoncez-moi ces rocailles de merde. Voilà. Ainsi armés, nous serons victorieux. Bon. Ici. Ok. Bon, eh bien, re tout le monde. Donc, j'ai terminé tout. Donc, voilà, j'ai pris que des Ruirim. Ils sont tous améliorés à fond. Et écoutez, on va défoncer d'abord ces deux structures à la con. Parce que c'est ce qui pourrait m'emmerder le plus. Cavalier de la marche.
faut s'attaquer ceux-là. Donc les archers qui sont vachement utiles. Hein. Donc n'hésitez pas à en prendre. Parce que les Rohirrim archers, c'est vraiment une unité. C'est comme les Rohirrim normaux, sauf qu'ils peuvent tirer à distance, quoi. Enfin, ils sont quand même vulnérables au piqué, c'est normal, hein, c'est logique. Mais je vous conseille vraiment de prendre cette unité qui est vraiment pas dégueulasse. Hein. Tiens, on va buter ceux-là. Allez hop, défoncez-moi tous ces Urukai. Puis le camp, voilà, regardez, vu que j'ai toutes mes améliorations, ça prend 2 secondes à le détruire. Et cette paire de FPS commence réellement à me faire chier. Allez. Ah, c'est quand même mieux quand c'est fluide, mais c'est fluide une seconde sur 10, quoi. Ça m'a jamais fait ça en plus. Donc je verrai dans les paramètres fraps ou je sais pas, enfin je verrai. Donc du coup, on va détruire ceci. Ah, tiens, ils attaquent mon avant-poste. Ah non. Ok, non, ils ont juste attaqué ça. Ok. Bah non, c'est bon en fait. Soyez à l'affût. Ouais, non, ils vont la détruire rapidement, je pense, la tour. Ouais. Sabine défile à une vitesse énorme. Bon, et là, ils auront reconstruit des structures, mais ça aura servi strictement à rien en fait. Elle a presque plus de vie. C'est bon. Bon, maintenant on détruit le reste. Et ça va être vachement rapide, ouais. Voilà, plus de structure. Allez, l'armurerie maintenant. Tiens, on va foutre sur eux. Et voilà, c'est bon. On l'a gagné. Normalement. Voilà, et voilà. Pire, celle-là, ils ont du mal. Voilà. Normalement, c'est bon. J'ai bien dit normalement, sinon j'envoie tout le monde. Hein. Non, c'est bon, ok. L'ombre a été défaite. Ça, on s'en fout. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est du rang défendu, plus un point de pouvoir, donc on va pouvoir acheter autre chose. Là, c'est à moi. L'anneau unique. Il veut détruire la communauté et s'emparer de ce qui fut autrefois à Sauron.